L'aménagement des territoires est un champ multidimensionnel dont les choix peuvent influencer de façon positive ou négative la santé et la qualité de vie des populations, selon des mécanismes plus ou moins complexes, directs et indirects. Le parcours Santé publique et aménagement des territoires a été conçu pour former des professionnels qui soient capables d'appréhender la complexité des multiples facettes disciplinaires et méthodologiques de ce champ, avec un regard intégré des enjeux de santé et d'environnement. Il répond également à un besoin croissant de monter en compétences sur la thématique de l'évaluation d'impact sur la santé, EIS, et dans le cadre de ce parcours, des compétences d'EIS appliquées à la thématique de l'aménagement des territoires. Basé sur une approche globale des déterminants de santé, sociaux, environnementaux et économiques, ce programme apporte des clés de lecture et d'analyse qui permettront aux participants d'identifier les leviers d'action et de proposer des solutions concrètes pour tendre vers des choix d'aménagement et d'urbanisme favorables à la santé. Il vise en quelque sorte à en faire des acteurs de la ville en transition. Les enseignements se déroulent sur 6 semaines à temps plein et le programme a été conçu en partenariat avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes, l'IAUR. Certains enseignements sont intégrés dans des modules également proposés en formation continue. Il s'agit du module d'évaluation d'impact sur la santé, EIS, du module diagnostic territorial des inégalités de santé et enfin du module urbanisme favorable à la santé. Dans tous les cas, ces cours seront assurés par des professeurs ou des professionnels du monde de la santé, de l'urbanisme et de l'environnement. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la plaquette de présentation du parcours disponible en téléchargement.